tous. Bonjour, salut Régis. Bon ben salut Catherine. Salut Alice. Alors je t'accueille aujourd'hui donc sur Bischofsheim. Okay. Derrière nous, grande maison. Donc on est sur une maison qui fait pour le moment en pièces habitables à peu près 90 mètres carrés. Mais par contre, on a du potentiel encore au niveau des combles de la maison et après toute cette partie de dépendance qui est vraiment okay. saine, qu'on peut encore aménager. Voilà, donc là en surface de plancher, on est à peu près aux environs des 150 mètres carrés pour te dire. Okay, donc beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Exactement, tout à fait. D'accord. Donc on peut vraiment la transformer, l'aménager comme on le souhaite. On a une grande cour également. Mm-hmm, on est à proximité, tu l'as vu, de la gare, des accès aux voies rapides, du centre-ville également de Bischofsheim. Et on est également sur, viens, je okay. t'emmène. Donc en plus de la cour, on a le jardin. D'accord. On est à peu près en totalité sur 7 arts. Voilà, donc plutôt bien situé, tu peux complètement fermer, mettre une piscine, pleine possibilité, aménagement d'appartement ou pas, enfin voilà. C'est un potentiel assez vaste pour, exactement. Pour cette maison. Donc allez, je pense qu'il y a quand même quelques travaux à prévoir du coup. Oui, en effet, alors on n'est pas sur un rafraîchissement, hein. On est sur une rénovation de maison. D'accord. Hein. Donc ça, alors on nous fait signe de revenir par là. Voilà, voilà, on va essayer de passer entre les gouttes. Exactement, tout à fait. Et puis écoute, je te propose, je t'amène en visite. Okay. Suivez-nous. Voilà, la visite est terminée. J'espère que ça t'a plu en tout cas, Catherine. Bah oui, écoute, parfait, parfait. Et que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez que la maison sera très vite en ligne sur les réseaux sociaux de l'agence, mais également sur notre site. Je vais le faire, Catherine. Si vas-y, vas-y. Également sur notre site, donc www.lagencerair.fr. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.